Non, c'est la barre. Au moins, je veux ce que je suis en train de faire, tu vois. Je le prends en train de mettre dedans. Le criminel. La personne peut se faire reconnaître ça là. C'est là, c'est pour qui?
Ça c'est cadenas. Hein, protéger ton patron. Hein, ton patron. Ah, c'est un voleur quoi. Hein? Le marabout c'est un voleur, un malfaiteur. Toi aussi tu es un voleur. Pour attacher ton patron. Ton patron a travaillé pour avoir l'argent, voilà. Quand il veut travailler maintenant, tu veux voler. Hein? T'es pas sérieux. Ça c'est Nasidji. Hein? Si tu bois ça là, le dîner est rentré, c'est fini. Tu as maintenant cancer, tu as typhoïde, tu as toutes les maladies du monde. Voilà. On vous blague, hein? On sacrifie un mouton, un cabri, deux poulets, 40 poulets. Voilà. Il prend des poulets, ton argent, et il te rend malade. Ça sent comme caca. Voilà. Il y a d'autres humains parfaits dedans, parfait. Voilà. Hein? Même les ministres utilisent les présidents. Donc l'Afrique va toujours rester en retard. C'est comme ça. Hein? Les licenciés et tous ils utilisent ça là. Et il faut aller consulter Marabout. Marabout peut faire quoi? C'est lui qui a dit là, il n'a qu'à venir. Il va finir ça. Voici le dessin, voici le dessin. Ça c'est quoi là? Voilà. Vous voyez ça là? Souvent on est écrit avec règles des femmes là. Wallahi Allah. Règles. Quand les femmes voient règles là, c'est ça là, on apprend, on écrit. Oui? J'ai dit? Ça là, on n'écrit pas avec encre. Si femme voit règles là, c'est ça, il faut chercher, tu écris avec. C'est Jérémy qui tu l'as dit ça, hein? Maman, elle s'abonne le Coran. Quand Dieu commence le Coran à parler, Alhamdulillah Rabbi la maison de Fatia. Ils vont renverser, ils vont écrire voilà bon. Il va aller pour renverser. Attends. Voilà, ça y est là. Il n'y a aucun courant dedans. C'est dans le djinn seulement. Il n'y a aucun courant à l'intérieur. Ça y est là. Ça n'est pas courant. Ça c'est dans le djinn. Ça y est là. Oui. C'est le djinn. C'est le djinn. Et il mène avec ça, je vais mettre à la terre. Si ça servait quelque chose, l'Afrique allait être le continent le plus riche du monde. Parce que chez nous, on a ça.
Mais comment, qu'est-ce qu'on constate? L'Afrique est plus pauvre. Il y a des gens qui meurent de faim. À quoi de ça là? Tu ne crois pas? L'Afrique ne travaille pas. Hein? Mais il attend seulement son patron, là, il attend son mari. Le voleur comme ça là. C'est l'odeur de caca. C'est l'odeur de caca. Voilà un autre. Tu vois le chiffre là? C'est leur secret. C'est eux seulement qui connaissent avec les djinns. Ça c'est leur secret. Le chiffre là. Hein? Kawatin. Tout ça, c'est des musulmans. Bon, nous, on travaille avec le Coran. Ça, c'est le Coran, même si c'est lui qui ne connaît pas le Coran. Ça, c'est le Coran. Regarde. Ça, c'est le Coran. C'est le nom de Jenny seulement. Voilà. Voilà. Regarde bien. Tu vois ça là. Tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, les cailloux. Les cailloux, vous voyez. Vous voyez ça là. Ah, l'Afrique est très intelligente, hein. Voilà. Ça, c'est des médicaments. Attends. Ça là, c'est ça comme ça, détaché. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça. Ça, ça peut soigner quoi? Voilà. Nous sommes à 13 villes, à 13 villes, à Abidjan. Si vous avez des problèmes avec les marabouts ou les djinns, venez seulement ici. Tiens. Ça c'est pour mal. D'après ce qu'ils disent, hein. Si tu mets ça là, ton mari là sera d'accord avec toi. Des conneries comme ça. Il faut s'occuper de ton mari.